L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement 245e chronique de l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Salut Patrick. Salut Sylvain. Tu vas bien? Super, toi? Bah, très, très bien. Intéressant ce matin, vraiment. Mm-hmm. On parle du plan d'implantation et d'intégration architecturale, un plan qu'on voit dans de plus en plus de municipalités, semble-t-il. Oui, beaucoup de municipalités, des villes vont commencer à les implanter. On a déjà aussi des villes complètes, comme un exemple, la ville de Québec. Est complètement sur un plan d'implantation, d'intégration architecturale. Puis ce qu'il faut comprendre à l'intérieur c'est de quoi? Ça, c'est quoi? Ça va toucher n'importe quel type de résidence commerciale, industrielle, agricole, peu importe. Les municipalités vont prendre des décisions pour avoir une harmonisation à l'intérieur de la municipalité. Si on fait un petit peu un retour en arrière dans les années 70-80, on pouvait avoir un triplex bâti à côté d'un garage commercial qui était là. Ouais. Le zonage n'était pas vraiment établi. Mais là, ils ont commencé à, en plus d'établir un zonage, ils vont vous mettre des beaux critères d'évaluation qui vont aller faire une uniformité sur son territoire et dans les nouveaux secteurs. Parce que le territoire, ben, le bâti est déjà là, lui, mais à mon exemple, un nouveau développement qui va s'intégrer, ils vont demander d'avoir, mettons, des propriétés de style contemporain avec tant de pourcentage de briques. On ne pourra pas aller se construire un cottage de style victorien, okay, s'il est neuf, dans le même secteur, c'est vraiment pour aller avoir harmoniser l'ensemble des territoires et vraiment, ça s'applique sur tous les types de propriétés. Donc, il faut vraiment là, s'en assurer. Puis ça ne veut pas dire qu'une journée aujourd'hui, vous n'avez pas de plan d'implantation d'intégration architecturale, que dans 2-3 ans, vous allez en avoir un. Donc, oui, il peut y avoir des limitations sur ce fait-là, mais c'est tout un avantage pour un secteur même et les propriétaires d'avoir ces types de plan d'implantation-là, parce que vous avez une valeur qui va être constante sur le territoire qui va être visé par ça. Parce que ce n'est pas nécessairement toute une ville au complet. Un autre exemple, le centre-ville de Joliette, lui, on s'entend que c'est plus âgé, il y a des beaux bâtiments victoriens qui sont là sur la rue Manceau, ces choses-là. Faut respecter vraiment l'essence de l'harmonie de ce territoire-là. Tu peux pas acheter donc à côté et puis démolir puis rebâtir une maison à ton goût. Donc, toi, si tu es propriétaire, tu es sûr qu'à côté de chez toi, c'est ça, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, qui va démolir et qui va rebâtir dans un autre style. Ben, un peu aussi comme la même chose qu'on avait vu là, dans les actualités là, il y a quelques années. Il commençait à avoir des intégrations dans les commerciales avec des néons partout. Il y a beaucoup de municipalités qui ont dit mettre un plan d'intégration pour avoir un affichage d'enseigne commerciale qui va s'harmoniser. C'est vraiment là, le mot-clé à l'intérieur de ces types de plans, c'est l'harmonisation d'un territoire. Ça touche les constructions neuves, mais aussi, tu me disais, les rénovations. Ça peut toucher les rénovations, faut le savoir avant d'acheter. Si on dit, moi, j'ai en tête d'acheter, puis de rénover, puis de refaire la façade. Oui. Il faut voir si on est avec un PIA, mais s'il n'y en a pas, il faut penser qu'il pourrait en avoir un qui est en cours aussi. OK. Fait que le comité d'évaluation d'urbanisme qui va être là, lui, le CCU, lui, il va aller regarder les plans que vous allez soumettre à la ville pour faire vos rénovations, vos améliorations ou votre construction pour aller approuver ce qui va être mis à l'intérieur de la municipalité. En ayant vraiment une harmonisation, le gros bonus qui est là, c'est qu'on va établir des valeurs qui vont être beaucoup plus égales que d'avoir, comme on le mentionnait plus tard, là, tantôt, c'est-à-dire un duplex avec un garage commercial qui va être à côté. Là, c'est le zonage, mais plus du zonage, on peut vraiment avoir le plan d'implantation qui va être là, qui va vous donner, oui, des restrictions, mais c'est toute une valeur ajoutée pour votre projet. Et puis, vous allez vous assurer aussi que les gens, quand ils vont rentrer chez vous, ça va être harmonieux. C'est vraiment, c'est le mot-clé quand on lit vraiment toutes ces dispositions-là qui ont été mises là, pour les municipalités, c'est vraiment de l'harmonisation. Ça peut avoir un lien avec l'emplacement même, la topographie du terrain, l'architecture, les couleurs de propriété, matériaux. Okay, ouais. Les matériaux utilisés, on s'en va dans des secteurs qui ont beaucoup de briques, on ne pourra pas aller mettre un matériau en vinyle, un exemple. Il va falloir garder des pourcentages de briques, l'aménagement des fenêtres, même fenêtres à carreaux, des fenêtres à battantes. Il va y avoir des restrictions. Okay. Les arbres, l'implantation des arbres et tout ça, on ne peut pas arriver quand on a ces choses-là, tout dépendant de comment il va avoir été écrit. Tout raser le terrain au complet, il faut garder des arbres de telle dimension. Les modifications des bâtiments existants aussi vont être touchées. Il y a tellement plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Puis naturellement, oui, ça peut sembler restrictif pour le propriétaire, mais ça a tout un avantage sur le long terme.
Et ça, le courtier peut me guider à ce sujet si j'achète dans un quartier que je connais moins? Oui, mais le courtier va vous guider, mais le premier outil à aller voir, c'est vraiment la municipalité. Donc, il ne faut pas oublier, on vérifie notre règlement de zonage, nos usages qu'on peut faire sur notre immeuble qu'on veut aller acquérir, mais aussi voir s'il n'y a pas un PIA qui est intégré à ça pour voir nos restrictions. Ça marche. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544, sur le Facebook aussi, toutes mes chroniques qui sont disponibles, sur la chaîne YouTube aussi. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Ok, oui.